Déjà de retour? La voiture est loin d'être prête. Y a un problème? Pour une révision, c'est quand même un peu cher. Hein? Ah, ça y est, j'ai compris. C'est un coup de papy. À ce prix-là, ça leur servira de leçon, il avait dit. Par ailleurs, papy compte sur vous pour éliminer la vermine. La présence de ces monstres décourage nos clients. Bien sûr, vous serez payé pour cette mission. Avec votre argent, en quelque sorte. Ah, et moi qui espérais pouvoir gagner de l'argent sans avoir à me fatiguer. Attention à ne pas chasser la nuit. Les démons sont beaucoup plus coriaces. Voilà un peu d'argent. De quoi passer une bonne nuit. Mais surtout, ne dites rien à papy. Il faut y aller. Gladio, on y va. J'arrive. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Tu te sens d'attaque, Noct? Le prince des tueurs. Merci. Bravo. On continue comme ça. Attendez, c'est quoi ce délire? Le poteau téléphonique a été coupé en deux. Et ce n'est pas le seul, visiblement. Qu'est-ce qui a pu faire un truc pareil? Difficile à dire. Probablement un éclair. Et tout le reste d'Hammerhead aurait subi aucun dégât? Moi, je dirais que c'est le coup d'un gros monstre énervé. J'espère que c'est pas une des vermines dont parlait Cindy. Vous avez décidé quoi pour la destination suivante? Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Comme ça, le playboy ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois. D'abord les joies du carénage et ensuite les joies du mariage. Donnez tout ce que vous avez. Allez, on y est presque. Tu en as confiance. T'as pu appeler ça, Noct. Ok, mission accomplie. Tiens, qui appelle? Allô? Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien? Salut, ouais, on a fini. Ça tombe bien. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave, et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis? Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Cindy? On doit retrouver un certain Dave. Il a disparu dans la nature? Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane.
Un message ? Note ! Oh, il a pressé ! Est-ce que tout va bien ? Maintenant, oui. Ne parle pas trop vite. N'oubliez pas que les animaux peuvent se montrer en confiance. Ça va être tranquille. Belle performance, Note. Merci. Regardez. Qu'est-ce que vous dites de cette cabane ? Attends une minute. J'ai un plan. Comme sur des roulettes. Hé, hey, d'où vous sortez, vous ? Alors c'est toi, Dave le chasseur ? On te cherchait. Ça va aller ? Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Les monstres étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer. Sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit ? Ok, on s'en occupe. Mais... il y aura une récompense ? Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Tu penses à tout, non ? Pendant un moment, j'ai bien cru que t'allais faire ça gratuitement. Oh. On ferait bien de faire une pause avant de se lancer dans la bataille. Comme tu veux, mais ne surestime pas tes forces. Mieux vaut pas rester dans le noir. Regardez, c'est lui ? C'est un bicorne, ça ? Oh. D'après Dave, c'est une version renforcée. Il va falloir agir vite et bien. Attendez ! Quoi ? T'as peur ? On ferait bien de se méfier de ce bestiau. T'es sûr ? Il m'a l'air normal pourtant. Bah oui. Attention ! Ça t'embouche à moi, pas vrai ? Ça, c'est bien joué. C'est pas fini ! Bien. Ah. Ah.
Oui, chef. Laissez-moi faire. On bouge. Ok. Ah, ça sonne. Allô? Merci d'avoir retrouvé Dave. Il vient de m'appeler pour dire que ça va. Oh. J'ai une bonne nouvelle. La voiture est enfin prête pour la route. Ah, au fait, vous pourriez la redécorer aussi. Enfin, c'est à vous de voir. On verra ça une autre fois. Elle vous attend au garage. Génial. Ah ! Et donc, on peut savoir qui sera le chauffeur ? Ignis est un champion pour ça. Ouais, mais il pensera à regarder la jauge du réservoir. Perso, ça me passe au-dessus de la tête. Comme 90% des choses dans l'existence. Bref, je m'occupe de la conduite. Et moi, de faire la sieste à l'arrière. C'est un peu long, mais à mon avis, ça devrait vous plaire. Elle est presque trop belle pour rouler. La voilà ! Prenons nos retrouvailles en photo ! Raison de plus pour en prendre soin. Ah, dites, avant que j'oublie, vous pourriez effectuer une petite livraison pour moi ? Ouais, pas de problème. Ah, génial ! Cool ! Comme je savais que vous alliez dire oui, j'ai tout mis dans le coffre. Vous allez trouver un motel sur la route de Galdina. Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel, ça serait génial. Tel grand-père, telle petite-fille ? Nocte ! La voiture est toute belle. Et prête pour la route. Tu veux prendre le volant ? Ouais, pourquoi pas ? Pas besoin de te dire... d'être prudent. Ah, j'oubliais. Avant de partir d'ici, ça vous dit de la customiser ? Tu veux quoi ? Alors, quelle pièce tu aimerais renforcer ? C'est tout ce que je peux te proposer actuellement. Tu veux quel autocollant ? T'as trouvé quelque chose ? Tu veux quel autocollant ? Choisis ta teinte préférée. Maintenant, choisis la couleur intérieure. Quelle couleur pour les jantes ? Ça te va comme ça ? Je m'en occupe, pas de problème. Voilà ! Exactement comme vous la vouliez. Nocte, ça ne te pose pas de problème ? Il fait super sombre. Mais non, ça va, t'inquiète. Je peux quand même te remplacer. Hammerhead, c'est quand même un super garage. Le contraire serait étonnant. Il est tenu par un mécanicien royal. Mais quand on sera rentré, on pourra plus y aller, pas vrai ? Hein ? Tu pourras y aller autant que tu veux. Qu'est-ce qui t'en empêche ?
T'es assez grand. Si ça se trouve, Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as pas. Ah, c'est donc de ça qu'il s'agit. Je pourrais toujours te prêter la régalia, si tu veux. Oh, t'es sérieux? Ah, non, mais en fait, je peux pas faire ça. Une fois qu'on sera rentré, je me paierai ma propre voiture. Bien. Je pense que t'as assez roulé comme ça. Il vaut mieux me laisser le volant. Du moins, jusqu'à ce qu'on connaisse bien les environs. Merci beaucoup. Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Vous inquiétez pas. On va sortir ça du coffre. Inutile de bouger la voiture. Oh. Umbra, content de te voir. T'as quelque chose pour Noct? C'est un bon toutou, ça. Ce chien a un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver? Attends, bouge pas. Jolie fleur. Je trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Je m'en souviens. Les fleurs de cils. Noctis. Quand tu entreras au Lucis, est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies, après avoir collé quelque chose dedans. Voilà, c'est bon. Fais attention à toi. Au fait, Noct, tu nous l'as jamais montré, ce fameux bouquin? Parce que ça te regarde pas. Bah quoi, c'est un secret? Il nous le dira pas. Maintenant que notre mission est accomplie, en route pour Galdina. Excusez-moi. J'ai trouvé une enveloppe pour le clan Meldacio dans le paquet. Meldacio? Le QG des chasseurs? Oui. Le chef du clan se trouve dans la région. Vous pourriez lui remettre? Hé, Noct, t'en dis quoi, vu qu'on est déjà dans le coin? Tiens, c'est vous. Je vous remercie pour la dernière fois. Et pour cette fois aussi. En fait, ça ne s'arrête jamais. Alors ils en ont trouvé une autre. Une autre quoi? De quoi tu parles? Une petite médaille. Nous, les chasseurs, on porte une plaque d'identité au cas où. Au cas où vous auriez oublié votre adresse? Non, plutôt pour savoir qui ils étaient. On risque notre vie en étant chasseurs. Et parfois, cette médaille, c'est l'unique chose que l'on retrouve de nous. Ça fait partie des attributions du clan, de prévenir les familles. C'est pour ça que j'étais venu dans cette région éloignée. Eh ben... Si par hasard, vous tombez sur des plaques d'identité de chasseurs, ce serait possible de me les remettre? Ok. Compte sur nous.
Quelqu'un a repéré une plaque de chasseur pas très loin d'ici. Le mieux est de demander des détails au resto, le Crow's Nest. C'est ça, les fameuses plaques. Mieux vaudrait la ramener. Ne serait-ce que pour la famille. T'as raison. Ce serait bien. On n'a qu'à aller... Bonjour. Merci à vous. À la prochaine. Doc, on devrait aller voir ça. Quoi donc? Ça rigole pas. Le clan des chasseurs Mendacio souhaite vous rappeler qu'en ces temps troublés, il est essentiel de pouvoir compter sur son prochain. En se défendant, il protège aussi notre monde. Il est donc essentiel de collaborer. N'hésitez pas à contacter le QG du clan Mendacio pour savoir comment vous pouvez aider les chasseurs. Bienvenue au Crow's Nest. Alors, vous avez choisi? Je peux vous renseigner peut-être. Vous avez fait votre choix? Très bien, je vous apporte ça. Vous pensez être à la hauteur? Excellent choix. Je vous souhaite bon courage. Après le mariage, Dame Luna Freya et toi, vous retournerez à Insomnia? Ah, je sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Oh, 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 oh! Qui aurait imaginé que t'allais te marier? Dis-moi, ça te fait quel effet au juste? Ouais, c'est pas si mal. Bah, bien sûr que oui! Qui refuserait d'épouser une fille pareille? T'es jaloux? Mais oui, 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 c'est ça. Je peux quand même pas laisser ma caisse ici et rentrer à pied. Vous m'évitez une longue marche. Une bonne chose de faite. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. T'es foutu. Merci. On voit pas grand chose. Nettoie tes lunettes. Quelle brillante idée, mon cher. Comme sur des roulettes.
passe la nuit ici? Dormir sous la tente, ça me va aussi. Bienvenue! Oh, vous êtes vivant! Vous devez être affamé. Cette mission n'est pas facile. Ce sera pas facile. Ne prenez pas de risques.